Une auto-école propose à des personnes de les transporter gratuitement. Pendant les cours de conduite, cela évite de laisser des places vides à l'arrière du véhicule. L'offre de transporter gratuitement des personnes dans le besoin. Des gens qui ont du mal à se déplacer et qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi. Souvent, ce sont des personnes âgées. Zeng Zhu n'est pas un chauffeur de taxi. Il est élève dans une auto-école et c'est lui qui va conduire Alia jusqu'à son rendez-vous chez le médecin. C'est gratuit et c'est formidable. C'est le plaisir de rendre service en même temps. En tant qu'handicapé, j'avoue que c'est très 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 bien. Et c'est ça la définition de la solidarité. J'aimerais, dans la mesure du possible, pouvoir connaître votre positionnement concernant cette possibilité de mixer apprentissage de covoiturage en auto-école et transport de passagers qui s'avère être une réelle solution innovante pour les territoires.